Beur FM. Je continue à vous raconter l'histoire de Firmus, le prince kabyle, mais ce mot kabyle, en ce 4e siècle, n'existait encore dans nul vocable, si ce n'est en arabe, dont la signification de qabail correspond à tribu. Si j'utilise ce mot impropre pour l'époque, puisque les Arabes étaient encore inconnus en ces contrées et que l'islam n'est pas encore révélé, c'est juste pour circonscrire cette région composée de berbères balanes. Les Kabyles sont des berbères parmi tant de berbères. Des Imaziren, hommes libres, vivant dans cette immense Hamazra qui se perd dans les sables du désert. Cette région au centre-nord, confédération de tribus Zouawa, Senhaja, Kotama, donatiste dans son christianisme, polythéiste dans la tradition de ses cultes, circoncilienne dans ses révoltes, est maintenant sous la direction de la guilde Firmus. Massinissa et sa descendance étaient Chaoui, Sifax et Bocus étaient Shloh, Juba, Nobel et Firmus étaient Kabyles, et tous étaient berbères envers et contre Puniques et Romains envahisseurs. Berbères. Il y a ceux qui disent, plus à tort qu'à raison, que ce mot vient de barbarius, qui signifie sauvage, non civilisé, mais surtout tout ce qui est étranger à Rome. Il y a aussi ceux qui disent, est-ce à tort, est-ce à raison, qu'on les avait appelés ainsi car face aux envahisseurs, ils hurlaient « Varra, varra », c'est-à-dire « dehors, dehors, var, var », pourquoi pas. Mais gardons quand même le terme d'Amazir, celui qui est libre, souvent jusqu'à l'anarchie, celui qui ne se soumet pas, celui qui ne s'impose aucune contrainte politique. Retenons cela, alors que Firmus va connaître le sort du grand Jugurtha trahi par les siens. J'avais déjà évoqué, je ne sais quelle malédiction, de Ouassou, comme on dit, mais cela n'explique pas tout et encore moins cette tendance quasi atavique des berbères à l'autodestruction. La puissance de Rome, c'est la tradition de la couronne de laurier qui honore les meilleurs des citoyens. La faiblesse de la berbérie, c'est la tradition de la couronne d'épines que l'on tresse à tous les hommes, à toutes les femmes qui se distinguent. Au nom du principe de l'égalitarisme, on coupe les têtes qui dépassent et au nom de la liberté, il a été sacrifié les meilleurs dirigeants. Voilà pourquoi la Berbérie ne fut jamais une grande nation. À demain !